Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Spider-Man Remastered sur PS5. Gameplay partie 19. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tous ces fichiers. Préviens-moi dès que tu trouves... ...que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup... Partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire! Ça rend pas mal! Ok. Alors, à plus, partenaire. C'est bon, les amoureux, vous avez fini de parler là? Bon, alors, lors de la dernière vidéo, je sais plus trop où on en était. Je crois que c'est au moment où Spidey était chez MJ et il est parti en vite-vite. Parce qu'il avait été appelé par je ne sais pas quoi. Je crois qu'au niveau... Alors, ouais, au niveau des trucs secondaires, on était pas mal. Ouais, on était pas mal. J'ai reçu une information intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais je vais essayer de trouver. Placé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos avec une corne indestructible. S'ils sont une cellule plus sécurisée, pourquoi il y était pas déjà? Allez, Jameson, vas-y, énerve-toi, t'as raison. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Oula, ça se castagne en ville. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Oh. Elle m'a pas touché, ça va, j'ai de la chance. Foutu terroriste. Merci du coup de main, Spider-Man. De rien, messieurs. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver? Quelqu'un était pressé. Oh là. Vous êtes blessé? Non, ça va. Mais vous devez retrouver non, Monsieur Standish. Non, il est en PLS, mais il n'est pas blessé. Ils l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage.
Ok, bougez pas d'ici. Elle va content de vous voir. Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage. À bout. Oh oh. Abou, Abou. Allez, va coucher. Va faire dodo, va faire dodo. Oh. Merci pour la grenade. Ah, coucou. Fais dodo. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Oh, il y a un grand pas beau. Vous bossez là, vous aussi? Ah bah, il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment. Non, c'était pas lui que je voulais. Bon. Bien tenté, mais raté. 108. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. La cage d'ascenseur, mais le problème de la cage d'ascenseur... On va pouvoir rejoindre le penthouse par là. Vous voyez les trucs électriques là? Bah faut pas les toucher. Ah mais Vangel, pourquoi dis-je juste ça? Si je m'approche assez, je peux le neutraliser. Bonjour! Fais dodo! Fais dodo, fais dodo! Bonjour. Bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, hein. C'est pas pris de dégâts. Où est-il, juste ça? Ah. Bouh. Allez. Ok, j'y suis presque. Ouais, ouais, on y est presque, c'est vite dit, hein. Restons dans la pénombre. Ouh la vache, il y en a des deux côtés. Il y en a des deux côtés. Ah merde. Oh comment c'est pas drôle. Hop là. Oh, oh, oh.
Et oui, parce que le problème, c'est qu'on peut pas avoir... Oh merde, touché. Bon, on les... Oh. Allez, allez, dépêche-toi. Attention. Bon, on s'est fait un petit peu toucher, hein. Et là, ça c'est va devenir... C'est qui haut, ce bâtiment? Voilà. Des bombes incendiaires? Sans blague. C'est bon. Bon, ça. Donc là, faut courir, hein. Là, on se fait pas chier à... On s'embête pas à essayer de tuer des ennemis, faut courir. Hein. Voilà Standish. Très bien. Et maintenant, entrez le mot de passe. Lee Corporation. Non, je rigole. Je sais pas. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Bon, là, le truc, c'est qu'il faut y aller, mais en furtif. Bijoux. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, il y a du monde, hein. Il y a du peuple. Ouais, il y a du peuple. Et je crois que si on se fait remarquer, si on se fait griller, il me semble qu'il tue le mec. Donc on va éviter. Ah bah non. Ils sont où les méchants? Honnêtement, je la trouve plus jolie cassée. Foiré. Allez, fais le dos. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. Ah ouais. Standish. Ah. Ok, d'accord. On a un samouraï. Ouh là 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 là. Oh, ça fait bobo. Oh 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 oh, oh les gars.
Oh, j'ai plus de... Bon. T'as jamais... Allez! Eh ben, ça s'est joué de peu, les amis, hein! La vache, c'était serré, là, hein! L'autre, avec son épée, là, il voulait pas, hein! Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui, lui? Je l'ignore totalement. Mais c'est bon! Allez, allez! Non, là, ça serait! Ok. Ah, presque! Essayez de tomber moins vite! Je vous tiens! Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Le bâtiment est en train de partir en ruine. Salut Yuri. Tout va bien? Ouais. Mais le problème, c'est la que Stendish n'a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste? Vous parlez comme un flic? Vous voulez dire... L'inspecteur Spider? Elle a raccroché, du coup. C'est pas sympa, mais elle en a ras-le-bol de l'inspecteur Spider. Faut la comprendre aussi. Peter, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Stendish? Ah, c'est compliqué. Ok, très bien. Et les démons? Ils recherchaient un nom. T'as de quoi noter? Ouais, vas-y. Ok. C'est qui? Et pourquoi lui? Ah bah j'espérais que tu me le dirais! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Bon là par contre, il me faut absolument... Voilà! Oula, il a cassé la voiture! Et voilà, nouvelle couverture. Bon, qu'est-ce qu'on a du coup hein, on a des missions secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est pas exactement le même bruit que j'ai... Le bruit que j'ai voulu faire, c'était l'escargophone dans One Piece. Ah ah. Message du doc? Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Ouais. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les... Bah si, quand même, on n'est pas Dieu, hein. Quand il y aura le temps. Hein? On n'est pas des dieux, quoi. On est... Mais après, c'est un grand scientifique, hein, Doc Octavius. Hein. Donc, Tant que je suis là, je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ. Eh ouais. Eh ouais, c'est pas bête ça, Pete. Pete.
Alors. Bon, on va jouer à l'apprenti scientifique. Alors. Qu'est-ce qu'on a de nouveau dans le labo? Ouais, toujours les trucs d'AIM. Hein. Les seringues d'AIM. Puis le doc qui travaille avec l'AIM, c'est pas bon. Alors, bon, on n'a pas de nouveau circuit, on n'a pas de nouveau truc. On va mettre un petit peu de musique. Ça va nous mettre un peu dans l'ambiance. Ah, j'en ai passé des soirées dans ce labo. Une chance que le doc pense au rapide. Et vous avez remarqué que c'est toujours la même musique dans le labo ? Cube de fromage. Et Peter nous dit toujours la même chose avec ses petits cubes de fromage. Alors, il n'y a rien de nouf. Il n'y a rien de nouf. Ouais, non, il n'y a rien de neuf. Toujours les trucs d'avant. Hein. Bon, bah allez, on va faire la mission. Si j'arrive à le démonter et à l'inverser, il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Ah ah! Moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Donc, on commence par là, il faut qu'on arrive là-bas. Ok, Dak, ça marche. Donc là, par contre, vous voyez, à cause de la caméra, je vois pas. Qu'est-ce? On va faire ça comme ça, après on va faire ça comme... Non, après on va faire ça comme ça. Après on va faire ça. Non, pas comme ça. On va faire ça comme ça. Après on va faire. Comme ça. Après on va faire. Comme ça. Après on va faire comme ça. Donc là, il y en a trois, mais il m'en faudrait deux. Ouais, celle-là, ça va pas le faire. Ah, ça va pas le faire du tout, là. Celle-là, il y a trois, et il m'en faut cinq. Et vu qu'ici... Ah bah ouais, non, je peux pas. Attendez. Attendez. Ouh, ça va être coton, ça, je le sens. Alors, parce que du coup, si je fais ça, après, ça, après, non, j'ai pas dit ça, j'ai ça, et là, donc, moins 1, moins 2, ouais, ouais, moins 2. Comment faire? Ouais, ouais. Et ouais, à moins que... ouais. Tac. 3 et 3, 6, moins 1, impeccable. Ah. Eh, pas balèze. Je suis pas balèze quand même. Ça devrait marcher. Bien sûr, ça va marcher. Bon, du coup, bah voilà, on a fait, hein. On a fait. Et puis, on a vu qu'on n'avait rien d'autre, hein. À moins que, attendez. Il est où, le truc, là? Parce que, il y a ça, ok. Bon, ça, c'est pour, ouais. Mais là, on a vu qu'on n'avait rien. Et la tablette, elle est où? Elle est passée où, la tablette? La tablette. Ils ont viré la tablette. Là, tiens. Okay. Eh ben, on n'a pas la tablette.
Bon, c'est pas grave, les amis. Allez, on sort du labo, du labo. On sort du labo, on remet le costume de Spidey. Il y a à suivre le signal. Il devrait mener à ce que Tombstone est en train de déplacer. Ok. Tombstone. Ce type est un vrai cauchemar. Peau imperméable et morale inexistante. Du pur plaisir. J'espère qu'il mijoterait une pierre que son garage clandestin. Oula. J'arrive plus ou quoi, moi? J'ai des problèmes. Ah ouais, là, je... Ouais. Ah, je le perds. Comment ça, tu le perds? Eh non, tu le perds pas, tranquille. Eh non, tu le perds pas, regarde. Par là. Bah si, c'est par là. Arrête un peu, c'est tout droit. Ah, le camion. Là, le camion. Alors, on se fait une petite virée. Ok. J'ai arrêté le camion avec mes mains. Ah. Oh bah, toute la bande est là. Il a eu Danny. Ouais. Captain juste au corps, elle est pas mal celle-là les gars. Oh j'aime bien les armes qu'ils ont en plus. Il est où le méchant? Tu sais pas viser, tu sais pas tirer. Allez, va jouer aux billes. Et ben voilà. Ah, dommage, à un combo près, j'étais à 50. Maintenant, voyons le camion. Ah ouais. Non, le camion. Le camion, Spidey. Le camion. Des conteneurs chimiques. Ah ouais. Ouais. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax. Mais où sont les produits? Me le dites-vous. Où sont les produits? Et ce soir, la fin de notre épreuve chrono. Je devrais jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce que contenaient ces barils. Tombstone mijote quelque chose. Sans doute illégal. Et clairement dangereux. Bon. On va chercher. Salut. Vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non, mais si vous demandez gentiment. J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un toit à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SVT d'un collégien. Ouais, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça. Et donc? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. Vous avez dit le mot magique! J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque, cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Si vous vous demandez ce que je suis en train de chercher, les amis... Non. J'ai pas trouvé... Je suis en train de chercher un kiosque à journaux. J'allais dire un kiosque à pizza, je sais pas pourquoi. Ça y est, ça commence. On m'informe que le trafic de drogue est en train d'exploser dans notre superbe ville. Et rien à voir avec les démons ou les anciens larbins de Wilson Fisk. Les criminels de tout. Mais ils sont où ces kiosques? Comme je l'avais prédit, les rats sortent de leur trou, attirés par la faiblesse et l'opportunité. Personne n'a voulu m'écouter avant. Pourvu qu'on me prête l'oreille maintenant. Faites attention à vous. Non, il est bon. Ouais, merci. Merci du soutien. Ah bah voilà, enfin. Là, Spidey. Faites pas gaffe à moi.
Non. C'est pas grave. Allez, youhou. Bon, et les 53 couvertures, hein, y a aussi les couvertures des extensions. Oula. Hein? Ah non, c'est j'aime pas ça. Bizarre. Ah. Spider-Man, alors tu as trouvé l'un de mes points de géologue. Qui êtes-vous? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées? Ah, c'est Ah, comment il s'appelle, lui? Point de géolocalisation aux quatre coins de la ville. Je sais qu'il y a masque dans son nom, mais j'ai... Ah là là, il m'énerve en plus, celui-là. Oh. Défi des bombes, ouais, d'accord, super. Oh. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Il faut faire vite, il faut faire vex. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre. Ah oui, c'est vrai. Et boum la dynamite. Oh là là, et Spidey t'as... Hein. Allez. Je dois trouver la dernière. Oh bah ça va pas être simple. Oh là 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 là. Je suis trop fort. Si proche de la perfection. Ah, c'est moche. C'est moche. Ah. On fait quoi, les amis? On essaye ou je les fais en ultime en mode tout seul? Parce que là, c'est vraiment ultra, ultra relou, quoi. Allez, on réessaye une dernière fois. Je regarde où on en est pour la vidéo. Allez, on réessaye une dernière fois. Je vais tout faire pour les avoir en ultime. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre. Oh, je suis trop... Oh, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon. Ah ouais, je suis pas bon du tout. Okay, celle-là, c'est bon. Dépêche-toi. Allez. Bien, mais je peux faire mieux. Bon, bah tant pis, hein. Je les ferai hors vidéo pour les avoir en ultime, parce que je vous assure qu'elles sont extrêmement galères. Allez, on va faire continuer. Tu insistes trop sur ton lancer. Ça comment il s'appelle, précision. Lui? C'est quoi votre espèce de jeu pervers? Master Mash ou je sais pas quoi. Aux enfants, je suis un professionnel et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ah, génial. Combien j'ai déjà un costume? Alors, du coup, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, du coup, on en a deux ici. Ouais, génial, magnifique. Fantôme masqueur ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça. Tiens.
Et putain, on fait chier à mettre des trucs en rouge, les gars. Putain, et quand t'en cherches pas, t'en trouves à tout coin de rue. J'ai eu un appel. Et quand tu les cherches. J'ai parlé à la mère de Miles, et elle est ravie qu'il puisse travailler ici. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Ouais. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Mais l'idée vient pas de lui, je crois. Hein. L'idée vient de Mary Jane. Ah bah voilà. C'est une belle ville, non? J'appelle la police. Pourquoi t'appelles la police? Il est con, celui-là. Pourquoi il veut appeler la police? Appelle la police. Bon, alors. Ok, d'accord. Faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Ok. Ah ouais. Ouh là là. Corinne, dépêche-toi. Presque impeccable. Oh la vache. Je suis pas loin. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a le deuxième qui est là. Ah merci les gars, mais malheureusement c'est trop gros pour vous là. Allez là, descends, Spidey. Ouah, 40 000. Oh non. Sauf que là, il sert d'un drone pour semer des caméras espions dans la ville. Oh là là. Je devrais les récupérer et éliminer ce drone. Oh non, ça j'aime pas ça. Oh ça j'aime pas ça. Alors, suivez le drone en train de déployer des caméras espions. Marquez des points bonus en traversant leur champ de connexion bleuté. Oh là là. Ah ouais, ça j'aime pas. Oh. Oh là là. Oh. Allez, l'autre côté. Alors là, ce qu'il fallait réussir à faire. Oh ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai pas eu celle-là. Maintenant, je peux attraper le drone. 10 secondes. Ça m'énerve de pas avoir fait sans faute pour ce que... Ouais, mais là, 40 000, hein, les gars. 40 000. Dark Master, ou... Ouais, Dark Master, ou je sais... Je crois que c'est ça. Bon, Dark Master. J'ai viré ces caméras espions. Alors, bon, voilà, boum, bam, bim, bam, boum. Ouais, d'accord, ok. Mais après, vous inquiétez pas, moi, je leur ferai... Parce que je suis perfectionniste, hein, donc... Si je fais les trucs, faut que je les ai à fond. Même si j'ai pas besoin. Tu sais, vu que je me plais chez toi, petit.
s'améliore toujours. Wow, merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Taskmaster, ouais, chef de corvée, c'est ça? Ouais, j'étais pas loin. Super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Ces fameux mercenaires, ce serait pas tes mercenaires par hasard? Non, je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes? Je profite du spectacle et j'apprends. Allez là. Youhou. Alors, c'est quoi là? Défi des bombes, ok, bon. Oh là là. Je peux pas laisser ces bombes exploser. Ouais, là en fait, il suffit juste d'utiliser l'itinéraire le moins long. Ok, celle-là, c'est bon. Va sur le côté. Je dois trouver la dernière. Toute franchise. Je suis assez fier de moi sur ce coup. Et bah voilà les amis, on va terminer en beauté sur un ultime. Hein, comme ça on est tranquille. Bon, allez les amis, on va se quitter comme ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire, c'est gratuit, c'est l'histoire d'un clic. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Spider-Man Remastered sur PS5. Prenez soin de vous, salut les amis.